Nous réclamons justice zéro. Les avocats ont demandé un renvoi dans une salle plus grande pour pouvoir accueillir plus de monde. Est-ce que quels sont vos sentiments par rapport à cette demande? Là, vraiment, nous sommes très contents d'entendre ou d'être au courant de ces nouvelles-là. Et nous attendons et nous trouvons pour venir et participer au jugement de nos frères parce que nous savons que c'est le gouverneur, c'est Batuta, maire de la Thomas qui doivent être arrêtés parce que réellement, nous le savons. On ne peut pas aujourd'hui organiser sans alerter l'autorité. Et si l'autorité est alertée, on est victime? Je dis non, s'il vous plaît, c'est l'autorité qui est victime, particulièrement le gouverneur et Batuta. L'autorité a comparé à la barre, le gouverneur et Batuta. Oui, mais ce n'est pas le même cas. L'autorité n'est pas enfermée, s'il vous plaît. Malikébé est enfermé. Voilà, ils sont là. Chérif Gawal du mouvement Sauvons la Guinée. Camarade, coordinateur TSA Guinée, nous sommes là vraiment pour demander la justice aux personnes qui ont été arrêtées. C'est que nous sommes dans un pays où on a une justice à double vitesse. Donc nous demandons la libération de ces gens parce que honnêtement les procédures n'ont pas été respectées. Les autres sont en prison, les autres sont en liberté alors qu'ils sont inculpés pour le même cas. Donc nous sommes là ce matin, c'est pour témoigner notre solidarité à cette forme d'injustice qui gangrène notre pays. Merci.